Allez, Yann. Super. Super. Allez. Quentin, allez! Allez, allez chaud, allez, chaud, allez! Allez, Lucas! Allez, Lucas, allez! Pour coller, Lucas! Place. Voilà pour les passages. On va les avoir devant nous dans un court moment. Mais le moins que l'on puisse dire, à l'image des épreuves précédentes, c'est que nous avons un départ extrêmement tonique. Chacun va essayer de réaliser la meilleure course possible, qu'il n'y ait pas de fausses notes aux partitions respectives de chacun des athlètes. Les trois hommes en tête, Clément Venturini, Yann Gras et David Menu. Voilà les trois hommes que nous avons actuellement au commandement avant les passages. Au premier tour, donc voilà les trois hommes installés en tête. On va voir l'écart avec les poursuivants. Donc Clément Venturini passé en tête, Yann Grand, deuxième position.
David Menu en troisième, Joshua Dubois quatrième à 9 secondes avec Anthony Turgis, l'homme qui a terminé quatrième du Tour des Flandres et deuxième d'à travers la Flandre et les cinquième à 9 secondes. Nous avons ensuite donc Valentin Mère, André Michel Bagnon, voilà pour l'instant les positions de trois groupes en tête. Thank you.
plus titrés, donc Francis Mouret et Eugène Christophe avec 9 titres de champion de France, Roger Rondeau avec André Dufraisse 7 titres, Robert Houbron 5 titres, on retrouve Dominique Arnoux également présent aujourd'hui avec 5 titres, Camille Foucault, Charles Félicien, André Willem 4 titres, Alex Gérardin, Jacques Plaisance 3 fois champion de France. C'est le passage devant nous donc d'une course qui est en train de se décanter. Clément Venturini a pris la mesure pour le moment de ses adversaires. Il a 8 secondes d'avance sur Josua Dubot. Yann Craig, 3e à 12 secondes. Anthony Turgis, accompagné donc de David Menu, eh bien, sont respectivement 4e et 5e, avec un retard de 20 secondes. Voilà, pour le moment, donc, la course derrière, eh bien, nous retrouvons Valentin Guillot, donc, de Laval à la 6e place. Et les choses n'ont pas traîné ici, Lilian, avec, on le voit à l'image, Clément Venturini, le grand favori hein, de ce championnat de France, évidemment ici sur le circuit de Couette-Rose. On va resituer un petit peu les choses. Il y a déjà quasiment, on est dans le troisième tour, hein, et Clément, il a pris les choses en main pour vraiment prendre le large. C'est vrai qu'il a fait un bon départ, hein, tout de suite au bout de la première ligne droite, il était en troisième position. Et puis il a vite pris le commandement à la fin du premier tour pour... isolé petit à petit, hein, il s'est retrouvé, ils étaient d'abord trois avec justement Josua Dubot qu'on voit derrière et Yann Gras. Et puis on voit bien là-bas, il a mis la poignée d'accélérateur et petit à petit il distance ses adversaires où on voit que chacun est à peu près isolé d'une centaine, ouais, d'une 5-6 secondes entre chaque groupe. Là on voit Anthony Turgis et Yann Gras. Le groupe de chasse hein, voilà, qui est derrière. Ouais. Et puis David Menu. Alors à noter qu'effectivement beaucoup un terrain complètement différent de ce qu'on a pu voir ce matin sur la course espoir. Avec où ce matin on avait un terrain très dur, notamment avec le gel de cette nuit. Et là le terrain a un peu. En fait les températures sont montées, le terrain un peu plus gras, un peu plus glissant plutôt, parce que c'est vrai qu'il est. En fait il est gras sur le dessus, mais en dessous il est encore dur, ce qui fait qu'en fait il y a une petite pellicule de terre, de gras, et justement ça rend extrêmement glissant, notamment dans les prairies. Et on a vu sur tous les coureurs de devant, on a vu Clément Venturini, Yann Gras, pas des chutes mais des fautes des glissades. C'est rien de méchant. On a vu Clément Rousseau aussi de l'équipe Team Arkea Samsic qui a loupé dans un dévers, a glissé de la roue arrière.
Donc bah là, on voit bien, hein, les coureurs se donnent à fond, mais sont beaucoup sur la retenue pour éviter de faire ces fautes-là. Alors on va revenir évidemment sur ce qui s'est passé lors de ce début de ces championnats de France ici à Pontchâteau. On va rappeler d'abord que ces championnats de France ont lieu à huis clos en raison, vous le savez, de la crise sanitaire. Les organisateurs qui ont tenu par passion et bien à maintenir ces championnats de France et à offrir donc à ces coureurs une des seules courses qui va avoir lieu en France, hein, puisqu'il y a eu trois la semaine passée qui était une course internationale. Il y a eu trois, et puis avant trois, bah, les premières courses remontent à il y a deux mois, hein, voilà. Fin octobre, juste avant le confinement du mois de novembre. Alors qu'on voit là la bataille pour la troisième place, effectivement, puisque c'est Anthony Turgis, bien connu, hein, rouleur, évidemment, coureur sur la route, mais également fan de cyclocross. Alors que là, on essaie de revenir, évidemment, pour essayer de chasser le groupe de troisième et quatrième. On va rappeler que les deux premiers à l'heure actuelle, eh bien, c'est tout simplement une grosse partie du podium de l'année dernière, puisque, effectivement, c'était Clément Venturini qui s'était imposé devant Joshua Dubois. C'était du côté de Flamanville. C'est ça, c'est exactement le même coureur. De toute façon, voilà, c'est presque une densité de coureurs qui sont. Il n'y a pas énormément de coureurs qui sont spécialistes de cyclocross. Et puis, bah, comme on l'a dit, hein, cette année avec le Covid, il fait que les coureurs qui ont beaucoup de coureurs n'ont quasiment pas couru, à part la semaine dernière à 3. Et donc, du coup, bah, on voit bien qu'il n'y a que les coureurs qui ont pu participer aux courses, ou un coureur comme Clément Venturini qui bah, profite de ses qualités et de routier avec une grosse préparation hivernale pour être en forme aujourd'hui même. Et puis effectivement, c'est un circuit qui lui convient bien et qu'il connaît parfaitement, Clément Venturini, puisqu'il avait déjà ici participé au championnat de France à Pontchâteau. Lui, le triple champion de France, hein. Il vise un quatrième titre, Clément Venturini, qui avait eh bien comme coéquipier aujourd'hui, c'est Lilian Calmejane, qui est venu aussi, le routier, venu ici sur Pontchâteau et qui est actuellement en 17e ou 18e position. Et Clément Venturini, il a besoin de personne, hein, pour aller s'imposer ici. Non, bah, alors, bien vu, hein, autant ce matin on avait une course un peu moins, enfin un peu plus, où les coureurs étaient un peu plus resserrés, autant là on voit bien que la course est très vite décantée. Et on va rappeler, puisque vous parliez de ce matin, effectivement nous étions également eh bien présents sur cette course espoir des championnats de France, remportée donc par Antoine Hubi, breton, hein, Antoine Hubi. Alors ouais, c'est vrai que ce matin j'ai fait un petit erreur, mais écoute pas, c'est vrai que Antoine Hubi, je l'ai mis Morbihanais, mais en fait il est de Côte d'Armor et de Uzel exactement, et donc voilà, on va resituer. Bon, c'est quand même un breton. C'est quand même un breton, donc qui succède à un autre breton l'année dernière avec Antoine Benoît. Donc le cycle, le maillot champion de France Espoir est resté en Bretagne. Et la Bretagne a l'honneur également chez les dames, puisque c'est Amandine Fouquenet, la Bretonne, qui s'est imposée également du côté des féminines bretonnes, et juste à la lisière avec la Mayenne. Hein, donc, voilà, on a vérifié avant quand même. Ouais, c'est ça. On va être vigilant par rapport à ça, et on va revenir sur ces championnats de France élite menés de main de maître par un Clément Venturini seul aux commandes pour le moment sur ce circuit de Couette Rose, hein, 2920 mètres. On va revenir sur cette partie qui est peut-être assez compliquée. Il y a une majorité de prairies, hein, dans ce circuit. Hein. Alors beaucoup de prairies, hein, c'est vrai que c'est un circuit qui est extrêmement dégagé, où on peut voir facilement les coureurs sur le parcours. On voit quasiment 70% du circuit. Il n'y a que vraiment sur le bas du parcours. On le voit juste derrière, là en fait, au fond là-bas, où on voit que bah, en fait ils sont voilà, ils sont en bord de rivière, et il n'y a que cette sorte de partie là où ça c'est un peu plus bah, c'est des chemins, sinon c'est le reste du parcours et comme on voit là en prairie. Et on va resituer un petit peu la course, puisqu'il reste, vous le voyez, hein, c'est le quatrième des 9 tours prévus, avec donc aux commandes Clément Venturini, triple champion de France. Et, hein, c'est le quatrième. Allez, c'est le soin à personne de cette course. Et puis derrière, la chasse est menée par son vice-champion de France 2020, Joshua Dubois, alors qu'Anthony Turgis eh bien, est avec Yann Gras, les deux hommes qui comptent actuellement 18 secondes de retard sur Clément Venturini. Joshua Dubois, lui, est à 5 secondes du leader de la course. Ah, Joshua Dubois, hein, qui avait fini deuxième l'année dernière sur ce même championnat. Donc voilà, c'est un homme de championnat. Il n'a pas couru lui la semaine dernière à 3 parce qu'il il avait le Covid. Donc je pense que c'est bon, il n'était pas très malade, mais sauf que comme il était positif, il devait rester dans sa bulle. Et bon, on voit bien que finalement ça n'a pas trop eu d'incidence sur sa préparation, parce qu'il est quand même au rendez-vous, il est quand même à juste derrière Clément Venturini.
Voilà, qui va repasser dans cette partie. On va vous détailler un petit peu la partie, les différentes parties hein, techniques et physiques de ce parcours de couette rose conçu par l'organisation et notamment aussi Jean-Yves Plaisance avec le deuxième Joshua Dubo qui vient de passer le même endroit. Et puis derrière la chasse avec Anthony Turgis de l'équipe du team Total Direct Energy. C'est là justement. Attention, où il y a beaucoup de chutes. Ouais. Voilà, c'est là où les coureurs sont tombés, hein, Lyon. Ouais, glissé, on voit bien là. Le terrain est vraiment, par rapport à ce matin, le terrain est vraiment glissant, vraiment incertain. Et on voit que les coureurs ont du mal à se donner à 100%. On a l'impression qu'ils roulent sur des œufs. Il y a de la retenue. Voilà, il y a de la retenue, il faut qu'ils gèrent. Et puis après, dès qu'ils sont sur des parties un peu plus droites, un peu plus rectilignes, on voit encore là Clément Vaturini qui a été obligé de déchausser. Et là, attention, voilà. Parce que là, c'est très, très dangereux. Redéchausse encore une fois. Ouais. C'est vrai que c'est incertain. Puis un autre détail aussi, c'est que des coureurs comme Clément Vaturini qu'on voit à l'image, des coureurs comme Anthony Turgis qui est en troisième position juste derrière, ils n'ont eux, c'est des purs routiers. Ils sont en condition parce que ils ont une saison route à préparer et du coup, ils ont emmagasiné pas mal de kilomètres et quelques stages en amont. Mais par contre, ils n'ont quasiment pas couru de l'hiver. Donc même si c'est des crossman, même s'ils ont des aptitudes techniques pour rouler sur des terrains gras comme ça, bah, en fait, ils n'ont pas forcément pris les automatismes. Ils ont juste couru la semaine dernière à 3. Et d'ailleurs, les deux ont eu des mésaventures qui ont fait qu'ils ont pu espérer faire un meilleur résultat, notamment Clément Vaturini, hein, qui était en tête et qui a fait deux fautes dans quasiment le dernier tour et qui s'est vu justement voler la victoire par David Van Der Poel. Donc voilà, c'est des choses où on voit bien ils sont pas sûrs de leur technique. Et puis même le terrain il varie, on vous le dit tout à l'heure, c'était beaucoup plus dur, là il est beaucoup plus gras. Et j'en discutais tout à l'heure avec des mécaniciens qui nous disaient que qu'entre le début du cyclocross à 15h et la fin à 16h, les températures vont rebaisser et on peut avoir un terrain qui peut reprendre un peu plus de dureté. Donc pour l'instant, il favorise un garçon comme Clément Vaturini le terrain. Alors Clément Vaturini, c'est un pur crossman, même si c'est un routier qui fait quasiment pas beaucoup de cross l'hiver. C'est-à-dire que là, il va faire le championnat de France et puis il va même pas essayer d'aller au championnat du monde parce qu'il a tout misé, il mise principalement sur la route. Ça reste à la base un crossman qui a été champion de France chez les juniors, qui a été déjà, on l'a dit, trois fois champion de France élite. Donc voilà, il aime cette discipline. Je pense qu'il est aujourd'hui dans l'équipe AG2R Citroën et il aimerait, il décide de consacrer plus sa carrière sur la route. Mais voilà, ça reste un pur spécialiste. Et c'est ce qu'on voit effectivement sur ces images de Christophe Bounon et de ses équipes techniques avec un soleil superbe. Vous voyez là, la petite glissade, c'est ce que nous disait tout à l'heure Anthony Turgis. C'est dans ce virage-là, là, juste avant les planches. En fait, c'est un endroit où c'est encore à l'ombre. Et vous voyez, le fait que d'avoir juste une petite pellicule de gras en surface et que ça soit dur plus en profondeur, ça fait que la roue, en fait, elle va glisser. C'est comme une petite plaque de verglas, elle va glisser sur le gras et elle va reprendre du grip après sur le dur qui est en dessous. Alors après, là, c'est là où il faut éventuellement jouer sur le gonflage. On va voir si, des fois, les coureurs, lorsqu'ils ont... les petites alertes comme ça, ils vont demander à avoir un vélo qui est moins gonflé. Alors que là, on voit Yann Gras qui monte à pied, je pense qu'il doit avoir un souci mécanique. Alors que là, on voit les planches hein, avec Anthony Turgis, avec également ces deux passages différents. David, on voit que David Menu a décidé de passer sur le vélo, alors qu'Anthony Turgis passe le vélo sur les épaules. Là, on voit Yann Gras donc qui doit avoir un problème mécanique. Ah, lui, il va tout faire à pied jusqu'au. Après, ça va, il est pas très loin. Alors, à moins qu'il ait juste un problème de déraillement et il peut profiter. Voilà, il y a un problème. Et là, c'est course perdue. Hein. C'est terminé. Voilà, il a décidé de me remonter. Il aurait peut-être dû continuer à pied. Le poste de peinage est pas loin. Il est juste là, avant. Donc, il est à 150 mètres. Mais déjà, voilà, on peut d'ores et déjà dire oui. Et on voit que Joshua Dubo, il est toujours derrière. Hein. Il est pas mal. Clément Vaturini n'arrive pas à creuser. Ça me rappelle un peu le cyclocross de la semaine dernière à 3, où justement, Clément Vaturini a tout fait devant. Et David Van Der Poel était resté derrière à 1 seconde. Et du coup, ça avait mis la pression un peu sur Clément Vaturini parce qu'il ne pouvait pas relâcher son effort parce que derrière, il y avait toujours un concurrent qui était derrière lui et donc il commettait des fautes et c'est ce que et la bonne aventure c'est que il a fait deux fautes consécutives, le coureur derrière était revenu et il avait perdu la course comme ça 11 secondes pour Joshua Dubois. Yann Grave finalement a décidé de
Voilà, il va finir, il va rentrer dans le poste d'épanage hein, qui doit être juste cette là. Et il va changer donc de, voilà, de vélo. Bon, malheureusement, c'est vrai que ça, bah, ça lui fait perdre de précieuses places. Et c'est vrai que sur un circuit aussi roulant que celui-ci, ça va être compliqué de remonter à la place où il était avant de se jouer avec Elik. Alors quand je dis la course est terminée, évidemment pour le podium, hein, on est bien d'accord qu'il va reprendre la course et qu'il va se battre jusqu'au bout pour essayer d'avoir le meilleur accès site. Alors que là, on voit qu'on parlait d'un breton, là c'est justement Mathieu Boulot, joueur de Dinan. Qu'on a vu tout à l'heure également à l'échauffement sur le home trainer. Avec Valentin Guillot de Laval Cyclisme. Et le voilà, le Clément Venturini. Toujours à la relance, évidemment, lorsque ça grimpe, il en remet une petite couche. Et Joshua, qui est juste derrière, là, qui l'a toujours en point de mire. C'est important d'avoir le coureur qui est juste devant vous en point de mire, parce que ça permet justement de l'avoir toujours à l'objectif. Alors que quand vous ne l'avez plus en point de mire, bah, du coup, vous démobilisez. Et vous le disiez d'ailleurs, Lilian, sur les précédentes courses de ces championnats de France, ce qui est important, et en l'absence de, notamment de spectateurs ici, parce qu'on attendait quasiment à 15 à 20 000, hein, s'il n'y avait pas eu la Covid-19, 15 à 20 000 personnes, les coureurs peuvent se voir et peuvent déjà voir les décalages et les écarts qu'il y a de tour à tour. Bah, c'est vrai qu'il y a le parcours à l'opposé, là, justement en bas, où les coureurs se croisent. C'est-à-dire que s'ils ont une vingtaine de secondes d'avance, ils vont naturellement en fait, se croiser. Et c'est vrai que tour à tour, bah, ils peuvent juger justement s'ils ont pris de l'avance ou s'ils ont pris du retard. Et c'est vrai que bah, c'est un gros avantage de pouvoir, surtout quand vous êtes derrière, de pouvoir jauger bah, l'effort, que l'écart qui peut y avoir. Même si, comme on le disait, hein, aujourd'hui, pas de spectateurs, pas d'ambiance. Donc tout ce que peuvent dire le speaker, bah, en fait, tous les coureurs vont l'entendre. Alors que généralement, en fait, il y a tellement d'encouragement que les coureurs sont dans les tribunes et n'entendent pas forcément ce que dit le speaker. Et donc là, en fait, ils ont vraiment leurs écarts en temps réel quand le speaker l'annonce au micro. Et on voit bien, Joshua Dubois, on a l'impression qu'il revient. Voilà, il revient légèrement. Hein. Il revient sur Clément Venturini. Ouais, on l'a, c'est tout à fait visible. Il a que 5-6 secondes d'écart hein, entre les deux hommes. Et là, on est dans la première partie hein, de ce circuit de Quatre-Roses, assez physique, technique, avec différents changements de rythme. Ouais, on voit bien, hein, ça monte, ça descend, c'est en dévers. C'est un fouet puissant. Et à la fois, là, on voit bien, et dès qu'il y a un petit virage, ils sont sur la retenue. Ils ont du mal à envoyer leur pleine puissance. Et c'est peut-être un avantage pour Joshua Dubois qui lui a couru tout l'hiver et qui peut maîtriser mieux maîtriser techniquement ce genre de parcours par rapport à Clément Venturini qui lui voilà, il est obligé de recréer les automatismes, même si c'est sa deuxième compétition, il est moins serein que peut l'être Joshua. Et David Menu qui a pris quelques mètres d'avance sur Anthony Turgis. On vous l'a dit, hein, les routiers eh bien, sont venus ici, quelques-uns. En tout cas, on pense à Kevin Le Danois, on pense à Anthony Turgis ou à Lilian Calmejane qui eh bien, ont pris part aujourd'hui à ces championnats de France de cyclocross. C'est bien parce que c'est vrai eh bien, que ça fait un petit mélange très sympa. On pensait que ça allait être un petit peu plus la bagarre en raison eh bien, des conditions météo où c'est vrai que c'était très roulant en termes de circuit. Et puis le radoucissement, les températures qui ont augmenté depuis ce matin eh bien font que le circuit a changé et continue de changer. Il continue, on voit bien, hein, c'est extrêmement glissant. On voit que les coureurs ont du mal à donner et à relancer. Des choses, hein. À relancer. On voit justement Anthony Turgis qui sort le pied pour éviter de glisser. Alors forcément, ça... Derrière, il peut pas forcément relancer comme il pourrait. Et il est revenu. Voilà, Joshua Dubois qui revient et qui tout de suite repasse devant et part à l'attaque. Eh oui, il veut relancer, il veut mettre la pression sur Clément Venturini. Est-ce que c'est la bonne solution? Eh bien, on va le savoir hein, puisqu'on est à la mi-course dans ces championnats de France 2021 ici à Pontchâteau sur le circuit de Quatre-Roses. C'est vrai, psychologiquement, c'est toujours quand vous reprenez quelqu'un, quand vous repassez devant. Bah, psychologiquement, vous avez repris l'ascendant sur le coureur qui est derrière et vous mettez en doute. Et on voit bien que là, Clément Venturini a du mal à garder les roues de Joshua Dubois. Alors que, on voit pas, non, il n'y a pas de faute. Alors qu'en fait, on n'est pas sur une partie physique, on est sur une partie technique. Donc en fait, Joshua Dubois a tout simplement pris tout de suite 10-15 mètres sur une partie technique. Là où normalement, Clément Venturini n'aurait aucun mal à garder la roue de son adversaire. Et là, voilà, on voit bien que Clément Venturini est obligé de refaire un gros effort dans cette partie physique pour recoller. Et je pense, à mon avis, c'est ce qui va se passer pendant toute la course, c'est que Joshua Dubois va reprendre du temps sur les parties techniques et Clément Venturini va revenir à chaque fois sur les parties physiques. Donc vous nous annoncez une arrivée. Attention, voilà, ah, là, c'est vrai que ce virage est extrêmement glissant. Hein.
C'est assez énorme, hein, effectivement, ouais. Lorsqu'on voit là, tous ces efforts. Et en plus, lorsqu'on ne prend pas le bon passage, on voit bien que c'est difficile de relancer derrière. On voit bien, hein, c'est un jeu de mano-mano. Hein, ils sont en train de jouer avec les nerfs avec les uns et les autres. Il faut prendre une trajectoire la meilleure possible. Bah, dans c'est comme ils sont ensemble, ils ne peuvent pas forcément choisir leur trajectoire. Ils sont obligés de compenser en fonction de l'autre. Bah, on a vu Clément Venturini a doublé Joshua dans le virage. Je pense que c'était pour le gêner, pour justement prendre une meilleure trajectoire que lui. Et là, ils vont avoir un petit room d'observation parce qu'on va arriver justement pour rallier justement cette ligne d'arrivée. Donc, on le voit là. Clément Venturini, justement, il prend l'intérieur pour gêner un peu. Et il y a une troisième partie justement de ce circuit qui est beaucoup plus physique, hein, vers la montée, vers la ligne d'arrivée, et qui est souvent décisive d'ailleurs. C'est celle où justement ils y arrivent là. Voilà. Où normalement, bah, c'est une partie qui est plus favorable à Clément. Donc vous l'aurez compris, si vous avez bien écouté Lilian Jégou, le côté physique c'est pour Clément Venturini, le côté plus technique ce sera pour Joshua Dubois. Et pour le moment, eh bien, ces deux hommes font la course pour ces championnats de France. Le numéro 1, le dossard numéro 1, l'homme en blanc qui pour l'instant est deuxième sur cette course, eh bien, c'est lui le tenant du titre, le champion de France l'an passé pour ce championnat de France de cyclocross. Et Joshua Dubois qui est en tête à l'heure actuelle avait terminé deuxième. Donc on retrouve les deux hommes de l'an passé. Et voilà, il n'y a pas de réelle surprise non plus pour le moment dans ces championnats de France 2021. Voilà, Clément qui se remet derrière, qui attend. Donc là, ça va sur cette partie montante, les coureurs ont légèrement le vent défavorable, retournent justement sur leur gauche pour rallier la ligne d'arrivée et là, retrouvent un peu un vent trois quarts d'eau. Et les voilà, ils vont boucler le cinquième tour pour les deux coureurs qui apparaissent, Joshua Dubois. Joshua Dubois et Clément Venturini avec une bonne trentaine de secondes, à mon avis, d'avance sur le reste de la troupe emmenée par David Menu. On a vu Clément qui s'est retourné. Clément en sortant, il sait très bien que le podium là, il est le titre, il est entre ces deux coureurs là. Alors qu'on voit au fond Mathieu Boulot qui va revenir quasiment. Fait une belle course, Mathieu. Hein. Ouais, belle course parce que c'est vrai qu'il a pas forcément fait un excellent départ. Alors pas un excellent départ, il nous disait qu'il avait fait beaucoup de cross mais régionaux. Beaucoup de cross régionaux en octobre. Et en octobre pas. Et du coup lui, bon voilà, il travaille à mi-temps, il a pas forcément les dispositions au niveau de son travail pour aller courir à l'étranger. Et donc avec quasiment pas couru, il a juste couru la semaine dernière. Ça veut dire que tout ce que vous faites pas à la compétition, il faut le refaire à la maison. Ah, c'est un gros travail. Enfin, on en discutait, moi j'ai dit, mais t'as pas essayé éventuellement de faire des séances sur Swift, qui est une plateforme où justement vous pouvez faire des courses pour essayer de simuler un peu à la maison le rythme de la compétition. Il me dit non, il a travaillé, voilà, il s'est entraîné tout seul et à faire des intensités. Et c'est un gros travail, hein. Enfin, c'est vrai que face à des coureurs qui font toute la saison, se retrouver au même niveau qu'eux, en reproduisant à l'entraînement le rythme de la compétition, faut avoir un gros mental. Ouais, c'est ce qu'il a, hein, parce qu'il nous fait vraiment une belle course, Mathieu Boulot, qui a longtemps été l'un des fers de lance, hein, du cyclocross. Ici notamment, on l'a vu à plusieurs reprises du côté de Pontchâteau, du côté également de la Bretagne. Alors on a vu passer aussi le trio de chasseurs. On a senti quand même sur ces trois hommes justement que l'on voit là. Allez, Valentin Guillot là, qui est revenu de Laval. Oui, exactement, avec Anthony Turgis et puis également David Menu. Les trois hommes, on a senti quand même un relâchement en se disant peut-être voilà, les deux ils sont trop forts, non ? C'est pas ça ? Bah, c'est vrai que ouais, on voit bien, il y a déjà un bel écart qui s'est creusé. On a dépassé la mi-course. Donc maintenant les coureurs vont penser qu'est-ce qu'il reste ? Il reste une troisième place. Donc je pense qu'ils vont essayer, ils savent très bien que ça va être compliqué, c'est impossible de revenir sur ces coureurs-là. Même s'il y en a qui fait une faute, il y en a toujours un qui va rester devant. Donc c'est vrai qu'ils vont peut-être se concentrer davantage sur la troisième place du podium. Et on retrouve donc les deux hommes de tête dans ces championnats de France. Attention. C'est des verts là qui sont. Voilà, c'est piégeux. Hein. Et Clément, ça fait deux fois. Clément Venturini qui met le pied justement à terre parce qu'il a. On sent qu'il y a de l'appréhension là-dessus. Hein. Ah, peut-être un peu trop gonflé à l'arrière aussi. Hein. C'est vrai que bon, on disait, les mécanos disaient, ouais, ils m'ont gonflé entre 1,8 et 1,6. Voilà, on voit bien là derrière, paf. Ah ouais, voilà. Ça, le petit décrochage. Et tout de suite, on perd 2-3 mètres. Hein. Ah, c'est des petites fautes comme ça. Puis en fait, vous êtes obligé de retrancher. Donc vous reperdez du temps à la relance. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire ? Sur la partie un peu plus roulante, il va fournir un effort pour rentrer. Est-ce qu'il ne va pas le payer à la fin ? À la fin, forcément, on voit bien là, il fait un effort pour rentrer. Là où Joshua, du coup, a un coup de pédalage peut-être un peu plus souple. On est en course, hein, donc ils sont quand même à 90%. Mais, et justement, tous ces petits efforts-là qu'il va faire, ça peut peser dans le dernier tour.
Alors Colomb, voilà, pour la troisième place, c'est Valentin Guillot qui vient de passer devant Tony Turgis et David Menu, les trois hommes qui vont se battre certainement pour cette troisième place. Alors que Mathieu Boulot, vous le voyez à l'image, il produit un dernier effort là sur cette dernière image, mais ça va être compliqué hein, pour récupérer ce trio de poursuivants. Bah après tout, comment est-ce qu'il a géré, c'est vrai qu'on n'a pas forcément vu comment il est rentré, mais derrière forcément ça va se à deux trois tours de l'arrivée. Comme je vous disais, ils ont peut-être temporisé là parce qu'ils ont vu que ça allait être impossible d'aller chercher le titre, mais maintenant ils vont se battre quand même pour aller chercher la troisième place. Donc peut-être que Mathieu a profité genre ces moments de temps mort pour revenir ou les avoir en visuel. Puis dès qu'il remet une couche, il a fait des efforts avant, il ne va pas pouvoir rentrer aussi facilement. Et là, regardez toute l'attention, toute la vigilance de ces coureurs, parce qu'il faut passer de façon très pragmatique là, sur cette partie ô combien compliquée. Et là, hop, on descend de vélo et on prend les escaliers. Là, le cardio, il est à combien, là, Lilian? Après, tout dépend leur max, mais je pense que ouais, ils sont à 95% de leur max. Il ne faut pas aller dans le 100% parce que quand on est dans le rouge, quand vous êtes dans le rouge, bah, c'est trop tard. Vous allez vous n'allez pas pouvoir récupérer. Puis le rouge, dans le rouge, on tient 5 minutes. Mais là, ouais, ils sont. Après, c'est des coureurs qui sont habitués à tenir leur cardio assez haut pendant assez longtemps. Mais, c'est l'élastique. Hein. C'est l'élastique pour Clément Venturini et Joshua Dubo. On en parlait avec Lilian, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une dizaine de mètres que le champion de France en titre, en l'occurrence Clément Venturini, est obligé de compenser à chaque fois. Et c'est vrai qu'on ne lui souhaite pas, hein, mais ça peut-être jouer dans le final. Voilà, on voit que Clément est plus tonique. Hein. Il est Joshua Dubo emmène un break plus important. Il vient de compenser un peu, alors que Clément, qui est un peu. Là, on voit bien, il passe devant. Hop, ça passe, mais on voit bien, hein, ils sont sur des œufs. Hein. Ça, c'est limite derrière. Hein. On voit bien qu'ils sont à limite du décrochage. Et après, faut relancer, c'est pareil. Hein. Vous êtes sur un faux plat montant. Il y a toujours cette petite pellicule là. Faut pas mettre tout de suite trop de pression sur le pédale, sinon derrière, en fait, ça va patiner. Donc, faut y aller progressivement. Donc, quand je dis que vous pédalez sur des œufs, c'est un peu ça. Alors que là, on voit Valentin Guillot là de. Du club de Laval. Oui, qui effectivement, on entend un de ses dirigeants ou un de ses mécanos, mais qui leur dit tu leur fais mal. Et c'est vrai qu'on a la sensation qu'Anthony Turgis avait du mal à revenir. Ouais, je pense que c'est peut-être Pierre Gevel qu'on a vu tout à l'heure, son entraîneur qui doit l'encourager et qui doit le guider. C'est vrai que quand vous êtes coureur, des fois, vous n'êtes pas forcément la lucidité, vous n'avez pas des yeux derrière la tête pour voir comment est le coureur qui est derrière vous. Et des fois, là, on voit bien là. Il appuie. Et on voit qu'il a pris à son tour quelques mètres d'avance et que c'est compliqué là-bas au fond pour Anthony Turgis. On venait s'expliquer hein, ce matin que en fait, c'est le genre de coureur qui a été obligé de peu de calendrier, peu de cyclocross dans son calendrier. Donc ils ont été obligés avec son staff, avec le club de Laval justement, de descendre jusqu'en Valence. En Espagne, oui. En Espagne pour pouvoir aller courir. Donc ça fait quasiment 3000 km aller-retour. Pour un week-end, pour faire ces intensités-là qu'on ne peut pas forcément toujours reproduire à l'entraînement. C'est un peu ce qui a rendu complexe cette année la préparation pour ce championnat, la préparation des coureurs pour ce championnat. C'est que tout le monde n'avait pas forcément la possibilité de courir à l'étranger. D'un, parce que c'est onéreux, il faut faire des déplacements, c'est du temps. Et de deux, parce que vous n'êtes pas forcément pris. Hein. Tout le monde, il y a beaucoup de coureurs, on voulait faire ça. Et si vous n'êtes pas dans des courses, dans des teams ici cyclocross, vous n'êtes pas pris sur notamment les mondes prestige en Belgique. Les organisateurs prennent de toute façon, évidemment, au départ des équipes. UCI cyclocross, alors que là on voit effectivement que ça chasse dur là derrière. Et Valentin Guillot hein, qui a fait l'écart. Ah, il a fait l'écart et non seulement il a fait l'écart, mais il va combler une partie du retard, une partie de retard sur les deux. Et là c'est Joshua Dubo qui relance à l'image, on le voit. Mais Clément Venturini dans sa roue. Là c'est une partie du circuit qui est très roulante. Ils ont chaud les cours, hein. On voit bien, hein. C'est vrai qu'il fait doux. Hein. On est en hiver, mais tout à l'heure. Il faisait zéro tout à l'heure. Il y a le soleil hein, qui tape tout de suite. Alors on voit que là, David Menu, et on voit les cours qui sont tous à 100 mètres les uns des autres. Hein. Ouais, et Mathieu Boulot au fond avec son maillot blanc. Alors que là, on revient sur les images du haut de tête
Joshua Dubois et son dossard numéro 4 avec Dansarou, Clément Venturini et son leadership avec le maillot numéro 1. Et ça va se jouer, évidemment, on le pense, même si Valentin Guillot est revenu. Hein, il est à 29 secondes du haut de tête. Ah mais ça va être compliqué. Secondes, donc les 30 secondes sur un circuit comme ça, c'est... Ça et contre deux hommes de, ouais, de cette qualité-là. On l'a bien vu ce matin avec les espoirs où Antoine Hubi avait creusé 30 secondes et derrière, pourtant, ça avait fait à la guerre. C'était revenu à 20 secondes, mais si devant, compliqué, ça s'écrase pas, c'est compliqué de revenir et de boucler et de boucher une trentaine de secondes. Alors, si vous voyez évidemment hein, des personnes sur le circuit de Quatre-Roses à Pontchâteau, je vous rassure, c'est bien à huis clos. Ce sont simplement soit les bénévoles de cette course ici des championnats de France, soit eh bien, les dirigeants, les mécanos, le staff des différentes équipes des coureurs qui sont là. Allez, toujours roue dans roue. Les deux hommes, Dubot avec le numéro 4, Venturini et son maillot blanc, avec le maillot tricolore bleu, blanc, rouge. Au niveau des biceps. Et là, celui qui a l'avantage, hein, c'est Joshua. Parce que logiquement, normalement, c'est Clément qui devait être devant. Clément Venturini, juste en deuxième position. Voilà, on est là sur le... Là, c'est la partie qu'il n'aime pas, Clément. Ouais, je pense que... Il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment. Mais... Ouais. mais je trouve que Joshua Dubois, depuis le début, prend mieux ses extérieurs. On a vu une erreur de les petits écarts de... Ah ouais, et là, voilà, il reprend. Et voilà, il s'est pris 5-6 mètres. Et c'est un effort qu'il va être obligé de produire pour revenir sur Joshua jusqu'au moment où il pourra parvenir, et voilà, c'est le risque. Alors soit de toute façon ça va être un jeu de comme ça pendant tout le reste de la course. Joshua Dubois, il sait qu'il a l'avantage sur ce genre de partie. Après, il a l'expérience. C'est exactement au même endroit. Tout à l'heure, ils étaient exactement dans la même c'est configuration. Pareil. Pareil. Donc là, on voit bien, Clément va revenir avec la force qu'il a. Et voilà, quand vous êtes coureur cycliste professionnel, bah, du coup, vous faites des courses plus longues et vous avez forcément naturellement plus de force. Donc il va faire l'effort, il va, je pense, rentrer relativement facilement. Et il a produit un effort supplémentaire. Et le Valentin Guillot hein, de Laval, eh bien, lui, il est bien dans cette troisième place. Ouais, il a une petite dizaine de secondes d'avance. Alors, c'est évidemment pas suffisant hein, pour s'assurer une place sur le podium. Mais en tout cas, on le sent très concerné alors que eh bien, notre binôme, depuis le début de ces championnats de France élite ici à Pontchâteau, bah, il continue la course en tête. Et ils vont certainement eh bien, se livrer une grosse bataille dans le dernier tour. On va achever le septième tour. Il en restera deux à réaliser sur ce circuit de Quatre-Roses, hein, long de 2920 mètres. Valentin Guillot. Ah, il va pas pouvoir gérer à Valentin Guillot parce que derrière, ça revient. À David Menu. David Menu qui revient fort derrière. Hein, le coureur effectivement du Cross Team Legendre. Alors que là, Clément Venturini est encore obligé de faire l'élastique avec Joshua Dubot. Ah, ça a été ça tout le long. Hein. Ah, je pense que la seule solution pour Clément, pour essayer de prendre un coup d'avance, c'est sur cette partie finale là, où justement... Beaucoup plus physique sur cette, avant de rallier l'arrivée. C'est quasiment à l'approche du dernier tour, donc dans l'avant-dernier tour, la fin de l'avant-dernier tour. C'est là qu'il doit porter de mettre une attaque pour prendre un peu d'avance sur Joshua Dubot, qui reviendra peut-être justement sur les parties techniques. Mais après, il aura encore cet avantage-là. Donc il sera encore avec lui à l'approche du final, un final qui correspond beaucoup plus aux qualités toniques et de sprinter de Clément. Mais s'il n'arrive pas à reprendre un coup d'avance, parce que là, on voit bien, Clément, il a toujours un coup de retard. S'il ne reprend pas ce petit coup d'avance, bah, je pense que Joshua, il va toujours en profiter. Et dans le dernier tour, il ne va pas se relever et il va justement forcer là où aujourd'hui, là, on voit bien. Bon, il a tendance à récupérer, pas en attendant Clément, mais justement le temps que Clément revienne sur lui. Voilà, voilà. Il fait l'intérieur, il passe à la corde. On est exactement dans le même virage. À chaque fois. Ça fait trois tours qui nous font le même scénario et que Clément essaie de reprendre un peu d'avance. Mais je pense que Joshua Dubois a dû garder un peu de jus, hein, puisqu'il fait beaucoup moins d'efforts depuis le début que Clément Venturini. Et s'il a vraiment la caisse, il a cette possibilité justement de... Alors que là, attention. On passe. Ouais, c'est difficile hein, pour Joshua Dubois. Il se retourne, hein, il jauge. Hein. Ah, il a vu. De toute façon, les deux hommes connaissent les petites faiblesses de chacun. Hein. C'est là où Joshua, il faut absolument qu'il reste dans la roue de Clément pour pas qu'il se fasse décrocher sur le passage sur la ligne, sur la partie plus physique du circuit.
c'est Anthony Turgis qui nous disait ce matin que en fait Pontchâteau est un circuit physique parce que il a de longues lignes droites où on peut envoyer de la puissance, contrairement à certains circuits qui sont un peu plus tortueux où justement vous êtes plus dans le pilotage. Et là, le fait d'avoir des longues lignes droites où vous pouvez envoyer du braquet, c'est vrai que ça avantage les coureurs plus puissants et donc les coureurs, les routiers principalement. Et Clément là qui reste derrière, qui ne fait pas d'effort. On va y arriver justement dans cette partie, dans cette dernière partie de. Bah, c'est là où je pense, dans le prochain tour, c'est là où Clément aura intérêt à attaquer. Clément Maturini donc en deuxième position sur ces images. Avec Joshua Dubois qui mène le bal pour l'instant dans la clairière de Couette-Rose et qui va repasser sur la ligne. Il restera deux tours à parcourir. Il reste deux tours à ces deux coureurs pour se départager. Alors là, les coureurs ne sont pas à fond. Hein. On voit bien, ils sont. Ils récupèrent. Gestion, on récupère. Voilà, donc, de toute façon, c'est pas là qu'ils font la différence. Ils savent qu'avec une trentaine de secondes. Les bons étant en roue libre derrière, ils récupèrent. Là, on voit bien Joshua il va enchaîner sur un virage avec un léger dévers, donc il va accélérer pour essayer de faire commettre une faute à Clément. Parce que forcément, plus vous roulez vite, plus vous allez pencher votre vélo et abaisser votre centre de gravité, donc plus vous risquez de glisser. Et là, on va le troisième et quatrième. Ils sont revenus. Il est revenu, David Menu, sur Valentin Guillot. Voilà, les deux hommes, c'est deux duos. Hein. On a deux binômes. Et ça va être super intéressant au niveau du final. Là, c'est le binôme pour le maillot et derrière, c'est le binôme pour le podium. Pour le podium, ouais, effectivement. Alors qu'Anthony Turgis, pour l'instant, est avec Mathieu Boulot qui est revenu sur. Le coureur de chez Direct Total Energy, Mathieu Guillot, qui fait vraiment une grosse course. Hein, lui, on le disait, qui n'a pas eu beaucoup de préparation. Et là, voilà, en fait, on a trois duos de choc. Celui-ci, celui qui est à l'image, eh bien, ce sera pour la victoire finale entre Clément Vaturini, champion de France en titre, et Joshua Dubois, son dauphin l'an passé. On retrouve les deux mêmes coureurs. Et puis à une trentaine de secondes derrière, on apercevra Valentin Guillot avec David Menu. Yann Gras. Là, c'est Yann Gras qui a été longtemps en poste au début. Hein. On l'a vu, hein, il a eu un souci mécanique. Voilà, alors que là, ça relance du côté de Valentin Guillot et de David Menu. Et là, on revient sur la tête de course avec une nouvelle fois Joshua Dubois aux avant-postes. Clément Vaturini, voilà. Oui, il y a encore une petite faute. De toute façon, ça va être. Et tout de suite, Joshua va accélérer. Il ne l'a pas forcément vu, mais il l'a entendu en fait. Quand vous déclipsez, ça fait un petit bruit métallique. Et forcément, quand vous entendez que derrière il y a un déclipse, c'est que. C'est qu'il s'est passé quelque chose. Et en fait, le fait de reclipser, vous allez perdre du temps pour remettre votre pédale, pour pouvoir réappuyer. Et quand vous gardez vos deux pédales, vos deux chaussures sur les pédales, clipsées, on le revoit là. Tout de suite, vous pouvez réaccélérer. Là, il a entendu, donc il réaccélère tout de suite pour essayer de décrocher Clément. Alors que Clément, lui, il va falloir qu'il reclipse sa pédale, qu'il retrouve. Il faut que la cale se cale bien dans la pédale. Donc, s'il y a un peu de terre, ça peut mettre un peu de temps. Et du coup, il va perdre 2-3 mètres. Et voilà, c'est le jeu depuis le début de la course, hein, quasiment. On voit bien Joshua qui essaie de faire commettre des erreurs à Clément. Et puis, Clément qui profite de sa force pour revenir. Mais je trouve quand même que Clément Vaturini, hein, malgré toutes ses petites erreurs. Technique, il décroche pas, hein. Il décroche jamais. Et même avec un petit pied à terre, il recale et c'est reparti. Il va essayer de repasser devant. Non, il n'a pas réussi. Non. Et c'est Joshua Dubois qui va. C'est un bon jeu aussi. Hein. C'est un peu le jeu du salosbury, c'est que dans des parties un peu dans des virages, vous allez essayer de fermer la trajectoire ou essayer de couper la trajectoire de l'autre pour pas qu'il vous passe. Comme ça, ça permet de garder toujours l'avance et l'avantage. Sur le parcours, on voit bien, hein, Joshua, il se met toujours devant. La faute derrière. Là, on voit bien, il a du mal à re-enclencher. Oui, d'ailleurs, c'est un peu toujours le cas. Et ça y est, c'est reparti. On voit bien, ça glisse. Hein, ils ne savent pas trop. Là, en fait, ils roulent vraiment à l'extérieur parce qu'au fur et à mesure des courses, souvent, les coureurs, ils roulent au milieu du parcours.
Et je pense que le parcours s'est tellement dégradé au milieu qu'ils sont obligés de prendre les côtés pour retrouver un peu de, bah, d'herbe fraîche ou un peu de terrain un peu plus stable. Et donc c'est pour ça qu'on pouvait les voir rouler chacun de leur côté. Alors que Clément Venturini a pris la tête là sur ces images, c'est la bataille pour la troisième place entre Valentin Guillot et David Menu qui sont à une trentaine de secondes, hein, du duo de tête. Ça, ce sera pour la place sur le podium et on va retrouver justement cette bagarre pour le titre de champion de France entre Clément Venturini qui a pris les choses en main depuis quelques centaines de mètres avec Joshua Dubot dans sa roue. Comme je vous disais tout à l'heure, il fait généralement, ils vont remonter les escaliers et c'est dans la prairie où généralement il est moins à l'aise que Joshua. Il va essayer de reprendre justement un peu d'avance pour si jamais il y a une erreur. Ou d'imposer hein, aussi, hein. C'est-à-dire que si Clément il fait une erreur, bah, Joshua qui est derrière, il ne peut pas accélérer. Alors que tout à l'heure on l'a vu, hein, Joshua était devant, Clément fait une erreur et tout de suite il va remettre une dent pour réaccélérer. Alors que quand vous êtes derrière, bah, vous subissez un peu l'erreur de votre adversaire. Au sprint, il n'y a pas photo entre les deux lignes. Ouais, Clément il est fort. Ouais, il est fort, même en tant que coureur cycliste sur route. Il est réputé pour avoir une belle petite pointe de vitesse parmi les sprinteurs. Donc là, oui, il n'y a pas photo. Hein. Si Joshua veut gagner aujourd'hui, il faut qu'il arrive détaché. Attention, parce que là, il y a Clément Venturini qui a commencé à creuser un petit écart là, avec Joshua Dubot à un peu plus d'un tour de l'arrivée. Il va falloir que Joshua soit costaud pour aller rechercher Clément Venturini qui a passé l'accélérateur là sur ses derniers mètres. Oh là, il cale un petit peu Joshua Dubot. Et si vous allez voir Clément, il va se retourner, il va le voir tout de suite. Il y a 100 mètres, il y a quasiment, allez, il n'y a pas 100 mètres, il y a 80 mètres d'écart entre les deux hommes et on sent que c'est dur pour Joshua Dubot. Hein. Et là justement il va profiter de toute cette remontée jusqu'à la ligne d'arrivée pour faire parler sa puissance et creuser encore un peu plus l'écart. Et ainsi ça lui permettra en cas d'erreur sur la première partie plus technique du circuit justement d'avoir un petit matelas pour pas se faire devancer à l'approche du final. Et on l'a vu, hein, c'est sur un petit parcours tout à fait atypique. On l'a vu, hein, c'est juste avant les planches, à chaque fois il essayait de le dépasser dans ce virage justement qui était un peu gras. Et donc là en fait il l'a devancé, il avait 2-3 mètres d'avance, il a bien passé son. Il a fait une bonne trajectoire en passant bien son virage avant les planches. Il a donné un peu de tonicité pour remonter jusqu'aux planches. A réussi à garder de la vitesse pour passer ces planches-là, là où Joshua, bah, du coup, il s'est retrouvé un peu plus au ralenti. Et du coup, bah, ça a accentué un peu l'écart qu'il y avait entre les deux. Ouais, et là, c'est plus, on n'a plus le même comportement hein, sur le vélo entre les deux garçons. On sent un Joshua Dubot qui est touché aussi psychologiquement par l'accélération de Clément Venturini, l'homme que vous voyez sur ces images, qui va passer à la ligne d'arrivée. Il va rester un tour à parcourir pour Joshua Dubot, le deuxième de cette course pour le moment. Et ça va être compliqué, on vous le cache pas, pour le Rémois. Parce que quand le Rodanien Clément Venturini est parti comme ça, il fallait le chercher. Hein. Alors que derrière, on voit hein, les deux coureurs, Valentin Guillot et David de Menu qui sont coude à coude pour le podium. Voilà, Clément, là, il faut qu'il récupère de son effort. Là, vous êtes sur une partie plus technique. Donc vous n'êtes pas obligé de vous engager davantage. Donc, vous pouvez pas profiter de ces parties techniques pour qu'il puisse récupérer de l'effort qu'il a produit dans ce faux plat montant et toute la ligne d'arrivée. Sans commettre d'erreur. Il a fait le trou. Hein. 16 secondes, Lilian. 16 secondes entre Joshua Dubot et Clément Venturini. Mais attention, hein, la semaine dernière, Clément Venturini se retrouvait dans la même situation face à David Van Der Poel. Il a commis 2 heures dans le dernier tour et David Van Der Poel est revenu sur lui. Et il a gagné. Il a perdu la course. Enfin, David Van Der Poel a gagné et Clément Venturini a perdu la course. Donc, il ne faut pas qu'il se désarme et il faut surtout qu'il reste bien concentré sur ses trajectoires. Et là, on voit, c'est Mathieu Boulot qui est 5e pour l'instant. Il a semé Anthony Turgis. Vraiment, on va le répéter, mais très très belle course de Mathieu Boulot. Alors que là, on revient sur l'homme de tête, Clément Venturini. Il lui reste, il a 16 secondes d'avance, je vous le disais, sur Joshua Dubot. Et il lui reste un petit peu plus de 2 km à parcourir sur ce circuit de Couetros pour clore ses championnats de France à Pontchâteau par une 4e victoire et un 4e titre tricolore. On est loin encore des 9 titres de Francis Mouret. Mais bon, on s'en rapproche de plus en plus. Il est jeune encore. Oui, il est jeune. Très jeune. Et le voilà, Clément Venturini, qui doit gérer maintenant
pas de faute. Pour bien relancer à la sortie des virages. C'est là où il est fort. C'est là où, il, quand il relance comme ça physiquement... Bon, on voit bien, il met un praquet qui est beaucoup plus petit. Du coup, ça lui permet d'avoir plus de tonicité et de reprendre de la vitesse beaucoup plus rapidement. Joshua Dubois avait tendance à mettre un peu praquet un peu plus gros. Et du coup, pour remettre en route, c'est plus difficile. On voit bien, là, regardez. Le niveau de la cadence n'est pas la même. Allez, voilà, Clément Venturini qui va passer. Hein, il l'a même plus en visuel. Non. Là, l'écart, il est fait. S'il n'y a pas de souci ni mécanique, ni de faute technique du côté de Clément Venturini, eh bien, ce sera un quatrième sacre dans quelques instants ici, après le dernier passage sur la ligne d'arrivée. Vous le voyez, dernier tour, et on est à la moitié. Hein, on est un peu plus de la moitié de ce circuit de Quatre-Roses, alors que pour la troisième place, ce sera toujours aussi indécis. Ça va être intéressant de savoir qui de David Menu ou de Valentin Guillaume va venir se glisser sur le podium. Pour l'instant, c'est David Menu qui essaie de distancer le Mayennais du club de Laval 53. On voit bien des trajectoires, pas forcément c'est des trajectoires différentes. Hein. Soit vous prenez complètement l'extérieur, soit l'intérieur où vous avez de l'herbe un peu plus fraîche et donc moins glissante. Et on voit bien qu'alors, voilà. Valentin Guillaume qui est repassé devant. Ah oui, ça va être jusqu'au bout, hein, la bataille entre les deux hommes. Alors que pour Clément Venturini, là, c'est de la gestion de fin de... Fin de parcours, fin de championnat de France. Et on sent que dans sa tête, il y a encore trois de la semaine passée qui est certainement qui lui titille un petit peu l'esprit. Il se dit attention, méfiance, restons vigilants et lucides jusqu'au bout pour éviter de commettre l'irréparable avant de franchir la ligne. Là, vous êtes dans une phase, c'est vrai que dans le dernier tour comme ça, là, avec l'écart qu'il y a, Joshua Dubois ne peut pas gagner le titre. À armes égales, non. Là. C'est juste Valentin. Clément Venturini qui peut perdre le titre. Si Joshua gagne, c'est que Valentin l'aura perdu. Et donc là, Valentin, il a juste besoin de gérer et pas de commettre de faute, pas de chute, pas de casse pour pouvoir rallier l'arrivée sans problème. Et là, on voit bien. Et c'est dur, hein. C'est dur pour Valentin Guillaume pour la troisième place parce qu'il a laissé encore une fois David Menu partir. Alors que là, sur ces images, on peut voir que Clément Venturini est remonté sur son vélo. Alors attention, il faut qu'il se recale bien. Voilà, c'est parti. Il se remet bien sur son vélo. Il a quelques petits soucis de calage notamment. On a vu, hein, les coureurs n'ont quasiment pas changé de vélo. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont toujours leur vélo du départ. Hein. Et du coup, il y a toujours un peu de terre qui reste collée sur les cales. Et au moment de reclipser, c'est toujours compliqué de retrouver que la cale retrouve son emplacement sur la pédale. Voilà, Clément qui gère. Quasiment le dernier virage... dangereux pour lui. Et après, sera une grande montée. Voilà, il a bien négocié un petit pied à terre et puis on repart. Attention aux planches, là, c'est à 3 où il avait commis des fautes sur les planches. Son dernier passage avec les planches sur ce circuit de Quatre-Roses. Ouais, peut-être l'idéal, ça serait peut-être de descendre pour assurer. Oui, parce qu'il a quand même 10 secondes d'avance. Voilà, il descend pour il a bien fait. Pas prendre de risques. Voilà, il a bien fait, ça passe tranquille. Et on repart avec les derniers hectomètres. Arlan, c'est pas la même que tout à l'heure. Non, là il est plus calme, il regarde aussi, hein, il contrôle la course parce qu'il a un œil sur ce qui se passe évidemment de l'autre côté. Il a vu que Joshua Dubois avait beaucoup de retard par rapport à lui. Joshua Dubois qui lui n'est pas descendu, il est resté sur son vélo. Et Valentin Guillaume qui n'abdique pas le Lavallois, mais ça va être compliqué de revenir sur David Menu malgré les encouragements, on l'a entendu, et bien de son staff. Ligne d'arrivée. Et ce sera dans quelques instants. Là, il va grimper. C'est là qu'on voit toute la difficulté du vélo, du cyclisme, mais aussi du cyclocross. C'est que rien n'est jamais fait. Il faut se battre jusqu'au bout. On voit que l'un a choisi d'y aller à pied, l'autre a choisi de franchir les obstacles sur son vélo. Oh, la bagarre. Il y a encore une décision à faire. Là. Il y a encore une place à aller chercher sur le podium. Ah, c'est énorme. C'est assez énorme. Il y aura un déçu entre les deux. Ah oui, ça c'est sûr. Et voilà. Alors que, voilà,
Clément Venturini va venir remporter, malgré le retour de Joshua Dubo à une dizaine de secondes derrière lui, et bien va venir remporter son quatrième titre. Qu'il est fort Clément Venturini, puisqu'on l'a souvent vu faire l'élastique tout au long de cette course, de ces championnats de France. Il a souvent été à 10-15 mètres derrière, il est revenu sur des parties, comme le disait Lilian Gégou, beaucoup plus physique. Et ben voilà, il est en train de s'essuyer, de montrer le maillot évidemment, et surtout et bien de remporter son quatrième titre de champion de France de cyclocross ici à Pontchâteau. Il se permet même un petit wheeling avec son vélo. Évidemment, il est très fort, Clément Venturini, quatrième fois champion de France. Il va conserver son maillot pour encore une année. La très belle course de Joshua Dubo qui, comme l'an passé, eh bien, va terminer deuxième. Mais on va surtout s'attarder sur la troisième place, puisque ils sont deux, vous les voyez, les deux hommes, le Mayennais Valentin Guillot avec David Menu du Cross Team Legend. Ça va se jouer au sprint. Le sprint de Valentin Guillot face à David Menu. Alors, le Lavallois. Ah non, il va être dur, ça va être trop dur pour le Mayennais. Et c'est David Menu qui s'impose devant Valentin Guillot, qui a beaucoup, beaucoup donné pour recoller à David Menu dans les deux derniers tours. Et cet homme aussi, hein, que l'on va saluer au passage, qu'on a évidemment déjà noté depuis le début de ce direct sur France 3, Pays de la Loire, Normandie, Bretagne et sur France TV Sport, et bien c'est cet homme, Mathieu Boulot, on l'a dit, hein, qui lui travaille à mi-temps, qui n'a pas eu d'entraînement aussi intensif, qui n'a pas pu faire toutes les courses et qui se classe quand même cinquième de ces championnats de France. Très très belle performance pour Mathieu Boulot, mais on va vous rappeler quand même que le grand bonhomme, une nouvelle fois de ces France ici à Pontchâteau, et bien il a pour nom Clément Venturini, quatrième titre tricolore pour le coureur d'AG2R Citroën La Mondiale, avec deuxième Joshua Dubo, et puis la troisième place pour David Menu du Cross Team Legendre. Voilà le trio de ces championnats de France. On va attendre l'arrivée évidemment de cet homme aussi. Là, c'est Yann Gras qui arrive. Et puis, il arrive donc en cinquième, sixième position, Yann Gras. Et puis, c'est Anthony Turgis qui va arriver septième de ces championnats de France. Alors que Kevin Le Danois va lui faire huitième. Voilà, tous ces coureurs, ces rouleurs, et bien de habitués à la route, hein, et qui sont venus ici sur ces championnats de France de cyclocross, alors que là on se bagarre encore pour évidemment la 9e place, et ce sera et bien pour Dumont Chamra Dumont pour la 9e place, alors qu'on attend l'arrivée. Je crois que c'est Lilian Calmejane que je crois percevoir, voilà, qui va terminer 11e ou 12e dans ces championnats de France, lui qui se faisait un plaisir, une joie. Le voilà, Lilian Calmejane, qui a changé d'équipe. Il est passé du team Total Direct Energy à G2R Citroën, avec ce nouveau maillot, donc comme celui qui a remporté, le même que celui qui a remporté ces championnats de France ici à Pontchâteau. Vous le voyez sur ce ralenti, avec les images des équipes techniques de Christophe Baudouin, avec Clément Venturini qui s'essuie tranquillement. Voilà le maillot. Respect, monsieur Venturini. Quatrième titre de champion de France, on le disait. On est encore loin des 9 consécrations de Francis Mouret sur le cyclocross, mais il s'en rapproche.